Bonjour, alors je suis Virginie Basselot. Donc ce soir, je fais un dîner à la bergerie. En amuse-bouche, on aura une crème de champignons avec une émulsion de bourgeons de sapin et des noisettes du Piémont. Ensuite, on aura une truite du Sian. Donc la truite sur le thème de la chartreuse verte. Donc elle est marinée avec de la chartreuse verte. Et à côté, il y aura une crème fumée. Et ensuite, la volaille terre de Thouars. Donc j'ai travaillé de deux façons. Donc les cuisses seront dans un bouillon de poule dans lequel je vais infuser des tisanes des pères chartreux, justement, pour continuer sur ce thème. Donc il y aura les volailles, les foies des volailles et des pâtes à douce. Et ensuite, le plat, donc les suprêmes de volaille rôties avec un jus à l'élixir de chartreuse, en garniture un petit chou et une purée de patates douces liée au foie gras. Alors je suis évidemment très content de faire ce dîner à six mains avec Virginie Basselot et puis Stéphane Mangin qui sont tous les deux des grands chefs. Je suis très heureux tout simplement parce que c'est un moment de convivialité, de partage, de création et c'est un ingrédient, la chartreuse que nous aimons tous et c'est aussi un ingrédient qui a plusieurs facettes avec différentes cuvées et donc on a beaucoup de parfums, de subtilités aromatiques et c'est un ingrédient qui peut être intéressant pour bien évidemment faire un cocktail, ça on le sait. Mais dans un dessert ou dans un plat, on peut l'utiliser de différentes manières, en assaisonnement d'une sauce par exemple, ou en condiment, ou alors dans un gel pour ajouter de la texture. Enfin bref, il y a plein de possibilités avec les notes végétales de cette chartreuse. Et nous avons passé un très bon moment de discussion autour de cet ingrédient pour imaginer le menu qui est proposé ce soir. Et donc, je suis évidemment le plus heureux d'être là, ici à Oron, pour les chefs au sommet. À cette occasion, on va partager un grand moment autour de la chartreuse. Stéphane Mangin, je suis chef pâtissier des Maisons Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid auprès de Régis et Jacques Marcon. Ce soir, je vais vous proposer un dessert à base de chartreuse. Il se compose donc d'une base pomme estragon, par-dessus une gelée de noix avec des noix de Grenoble, et pour finir cela, un parfait glacé chartreuse et un petit peu de meringue italienne pour appeler les montagnes.